Nous sommes aujourd'hui à Rennes, devant le siège du groupe Avril, premier producteur d'œufs en France et dans toute l'Union européenne. Il s'agit d'un des derniers acteurs majeurs de l'agroalimentaire à toujours refuser de s'engager concernant l'élevage en cage. Mais qu'en pensent les consommateurs ? Vous, en voyant ces images qui sont donc issues d'élevage du groupe Avril, issues d'enquêtes depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images ? C'est choquant, très choquant. C'est choquant de voir ça quand même, c'est des êtres vivants et ouais, c'est choquant. Ça me dégoûte, ouais. Ouais. Bon bah j'arrive pas à regarder, hein, faut le dire. C'est incroyable qu'on puisse encore faire ce genre de choses en 2019, quoi. C'est pas aux animaux de souffrir juste pour notre plaisir, quoi. Ah, c'est déplorable, moi je trouve ça repoussant, c'est de la cruauté à l'état pur, quoi. Ils n'ont aucun cœur. Ça devrait être interdit de toute façon. Et si vous aviez du coup un message à adresser au groupe Avril ? Bah, de se faire une transition très rapide. Ils ont intérêt de s'engager. Il faut arrêter ça en vrai. Puisque d'autres groupes le font, pourquoi pas eux ? Il semblerait bien que plus personne ne veuille de l'élevage en cage. Le groupe Avril doit maintenant prendre un engagement ferme et complet contre cette cruauté. Rejoignez-nous sur l214.com/avril. Signez la pétition qui a déjà recueilli plus de 70 000 signatures. Merci.